Et 10 minutes de garde à vue. Alors, hop là. Oh, t'en penses quoi? Hein? Bah, si tu. Quoi? Ah, Dans sa voix. allô? Ouais? Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de voix en ce moment là, c'est. Un petit peu malade. Tu disais quoi? Ils ont allumé 1500 d'amende. Pour que refus d'obtempérer ou si possession de. Pour le tout. Bah, 2 fumer, grammes. c'est pour fumer. Je Il suis était hyper. pas bien endurant, il m'a pas fait courir. Quoi. Ah non, Ouais, moi j'ai Déçu. juste gardé ma bullshit, moi. Un peu déçu quand même. Va vous entraîner hein, pour la prochaine fois. Je peux pas courir, je suis un pilote. Ouais, mais là, vous avez eu le temps de prendre votre véhicule, mais vous l'avez même pas pris. Vous avez préféré à pied. Vous vous entraînez aussi à pied. Ouais, c'est trop facile. Non, mais ouais. 1500 ou 2000. Ouais, 1500, ça ira bien. Puis 15 minutes de garde à vue. Ah, attends. Que refus de tempérer ou. Ouais, que le ref... on va lui mettre le refus d'obtempérer, on marque juste dans son casier possession de drogue. 1500 du coup. Ouais. Gentil. Hop. Gentil aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Vous pensez quoi, monsieur? Combien? Du coup, je l'ai mis sur son casier, la tablette. 1500 pour On va lui lire un refus de bureau. tempérer. Les Et photos sont j'ai. bonnes? Ah, attendez. Est-ce que vous pouvez juste retirer le bob, s'il vous plaît? Monsieur? Y a peut-être eu un problème, je crois. Après deux visages comme ça, non, ça a pas l'air d'avoir changé. J'ai juste regardé au niveau des cheveux. Il avait déjà des dreads noirs, mais au cas où. Changement. Ah putain! Monsieur? Ouais, putain, j'ai eu un gros mal de tête, je suis trop trop Ah mal. oui, c'est embêtant ça. Ah, est-ce que vous pouvez juste enlever votre bob pour que je vérifie si c'est toujours les bonnes photos? Ok, c'est bon pour moi. Bah allons-y, on va lui faire ses petits droits. Ouais, je vais écrire sur le Trello en attendant que tu fasses les droits. Connaissez par cœur, Bah ouais. disons. Allez-y, je vous laisse passer devant. Alors. Onde, voilà. Coup. Tu 17, monsieur Franklin Carter. Nous sommes le 01-04-2021 à 17h43. Je vous place en garde à vue pour les faits suivants. Obtempérer et possession de drogue. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat, si vous n'en avez pas les moyens, un vous sera commis d'office. Vous avez le droit à une assistance médicale, de l'eau ainsi que de la nourriture. Avez-vous bien compris vos droits? Juste l'eau et la bouffe, s'il te plaît. D'accord. Vous voulez en exercer d'autres, des droits? De quoi? Vous voulez exercer d'autres droits? Non. D'accord, bah, je vais vous donner ça alors. Merci. Merci. Voilà, je vous amène en cellule du coup. Dans la 5, s'il te plaît. Pour me La une, reposer. elle est bien. Vas-y, J'aime vous bien êtes la une. parfait. Bien, ben. 10 minutes du coup? Les papiers du coup. Ouais, mais du coup. Ouais, j'ai tout fait. Du coup, Du coup, tu lui c'est. rendras ça. Hein? Je m'absente. C'est 10 Ici. minutes? Là, tu me dis ça 15 minutes quand tu veux. Faut que je rende quoi quand il sort? Attends, je vais donner. Personne m'a répondu. Du coup, on lui rend pas. C'est Bon, quoi? du coup, tu les gardes, tu les mettras dans l'armurerie. Attends, j'ai que un le.
Tiens, comment ça, mon Kit de crochetage, hein. Ouais, c'est ça. Ça, tu le mettras dans l'armurerie. Comment ça, on les rend pas? Non, on vous les rend pas. Ben pourquoi, c'est C'est illégal d'en avoir. Un tour de vie, c'est illégal? Le kit de crochetage. De quoi, le kit de crochetage? Le kit de crochetage, monsieur, il y a tout ce qu'il faut pour crocheter une voiture. Ben, alors, ça veut dire, j'ai un couteau, je suis un meurtrier parce que j'ai le kit pour tuer quelqu'un. Mais le kit de crochetage, oui. Mais c'est pas un kit. Mais j'ai tout le temps mes outils sur moi, on m'a jamais, j'ai jamais de galère, hein. Bah, c'est ce qu'on vient de me répondre. Mais de galère, c'est des tours de vis. Si vous avez des trucs à redire, vous viendrez voir un de mes supérieurs. Bah ouais, bah j'ai tort de plaindre. Oui, y a pas de soucis. Tout simplement. Hop là. Ça fait rien ça. Du coup, les deux kits de crochetage, je le mets dans l'intranet au site dépôt armurerie. Ou pas? Moi, je pose les 4 pochons et tu poses les 2 machins. Oui, non, mais dans l'intranet. Dans un dépôt armurerie? D'habitude? Oui, mais je voulais savoir si on. Alors quoi? Hmm? C'est dans le dépôt d'armurerie que tu mets. Oui. Pareil que les autres trucs. Je vois pas le début de tes phrases. On peut aller les déposer maintenant ou pas? Tu peux. C'est mieux? Oui, il y a une cérémonie ce soir à 21h. Ouais, je pense que c'est... ouais. Tu l'as demandé à la fin? Hein? Bon, non, je l'ai déjà mis. Ah mais on n'a pas une formation justement ce soir à 21h. Ah si si mais c'est ça. De quoi? Non parce que là de ce soir on a la cérémonie pour le commandant plus la formation.
Personnellement, à 20h, moi je serais pas là. De 20h à 20h30, 40, je serais pas là. T'as dit quoi? Allô? Ah non, c'est à 20h30. La formation. J'arrive. C'est mon chien. Du coup, c'est à 20h30. Ouais, bah, moi je serai là, je L'information. pense. Hein? C'est quoi les formations? La formation arrestation, c'est à 20h30. Et moi, je suis pas sûre d'être là à 30, quoi. On verra, on verra. Bah, au moins, s'il y a un de nous deux, c'est pas mal. Allez, vas-y, on le libère. Toc toc, ça finit la sieste. Viens avec moi. Vous changez. Là, Jacqueline. L'orange, ça allait, ça Ok. vous allait bien. On vous entend pas, hein, si jamais vous parlez. Ah non, je parlais pas. Ok. Ok. Je préférais préciser. Zou. Si mes sens que chaque vous voulez pas nous parler. De quoi? Non, non, je suis passif. Je réfléchis. Ah. Ah. Allez, salut. Attendez, il y a vos moyens de communication. Oh merde. Tenez, votre Vous partez sans radio et votre téléphone. téléphone. Petit papier pour l'amende. Merci. À plus. Allez, bonne journée à vous. Tu l'as rédigé l'amende sur les casiers? Oh ouais. Je l'ai pas fait donc c'est pour ça que je te demandais. Oh non, j'ai tout fait. Hello plus plus tablette. Qu'on va souvent le recroiser, lui. Je suis pressée de voir c'est qui va remplacer 13. Les deux Toi? qu'on a dit hier, à mon avis. Ouais. Les deux. Ouais, c'est 42, il peut. Je pense pas. J'ai fait de la reprise du 10-41 peut-être. Madame 17 à centrale, reprise 10-41, 7h en toute seule. Ouais.
Je peux mettre un petit coup de giro ou pas? Non. T'as vu photo Twitter ou pas? Regarde photo Twitter. Le dernier. Pas rien dit. Qui va rentrer chez nous. Ouais. C'est encore la plaque qui a été volée. C'est celle qui était là. 95-18. Attends, what? Comment c'est possible? 35 heures, je crois que tu l'as pas toi. Ouais, c'est un 10-19 pour Ah, on va aller voir 95 ici. Adam 7 à centrale 10-19. Hop là. Salut. Salut. Ça va et vous? Nickel. Ouais, je vois qu'il y a encore beaucoup de monde. Hein. Respect. Repos. On vient d'arrêter quelqu'un, mais à part ça, on n'a pas eu grand chose. Aïe. Enfin, il n'y a que vous, quoi. Ah, oh, bon, toujours l'après-midi. Toujours. Ouais. Bon, l'après-midi, c'est dommage. Ouais. Ah bon. Hop. Hier, il s'est passé pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses. C'était pas en service. Des coups de feu, quoi. Ça, on était pas en service. Ouais, mais vous étiez au casino. Ouais. Au casino. Je vous ai aperçu. Un tour à l'extrême aussi. Ouais, c'était ouvert. Ouais. Et du paintball, du karting. C'est bien le paintball? Pas mal, ça va. On a un petit peu de mal à viser, ça vrai. Mais en vrai, ça va. Vous étiez combien pour le faire? 4. C'est à 3, plus le gars du extrême qui l'a fait avec nous. Putain, j'aimerais bien faire une session un jour. Et franchement, plutôt cool, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Ouais. C'est quand les prochaines sessions de recrutement? Aucune idée. Nickel. Speedy. Ouais. Ah, je sais pas, mais il y a trop de personnes hein, pour l'instant. Hier, il y avait personne. Hein. Non, mais il y a personne parce que bah nous, on n'y était pas. Parce qu'on a nos raisons de pas y être. Puis on s'est pris des critiques. Hein. On a quand même osé nous dire qu'on n'y était pas. Venez, on va parler là devant tout le monde. Peut-être s'isoler un peu. C'est un foulon quand même. Sur le parking, non? Ouais.
même osé nous dire qu'on n'était pas présent hier soir, à la place d'être présent l'après-midi, on ferait mieux d'être présent le soir quand même. En gros, c'est pris des critiques parce que, en gros, il nous disait je vois pas pourquoi vous venez l'après-midi, y a rien à faire, venez plutôt le soir. Alors qu'on est là tous les jours, on fait 10 heures pratiquement par jour, voire 11 heures. La semaine dernière, on a fait 72 heures et j'ai fait 65 heures. Je comprends la façon de penser, mais je pense qu'il y a des façons de le dire aussi. Oui, sauf que. C'est quand même osé nous le dire à nous, quoi. Qu'est-ce que ça peut lui foutre en fait, tu vois. Vous êtes présent quasiment tous les soirs de la semaine aussi, donc. Ah bah oui! Je pense qu'il y a des, comme je dis, je comprends la façon de penser, mais il y a des façons de dire, et surtout en fonction des personnes qu'on a en face. Oh ouais. Et surtout, dis-toi que hier soir, de base, personnellement, je voulais pas du tout prendre mon service, c'est comme ça me saoulait. On a vu que vous étiez en galère, que vous étiez à bas beaucoup, on a quand même pris notre service tous les trois, juste pour vous aider, hein. Enfin, pour aider nos collègues. Ouais, je sais vers quelle heure ? C'était tard, non ? C'était 11h, je crois. Ouais. Bah pour les buffalo là. De la buffalo. Ouais, ça m'étonnerait parce que moi j'ai pris une fin de service vers minuit. Les buffalo dans les tunnels et tout ça. On était avec 51. Enfin ouais. Bref. Ouais. Ouais du coup je pense que c'est ouais, le fait de vous avoir vu et le mais c'est qui vous a dit ça? Toujours 23. Le même 23. Ouais, 23 il était un peu en colère hier. Oui, mais je suis désolée, la colère, t'as pas à les mettre sur les collègues. Parce que lui, il a rien à dire, tu vois, il est pratiquement pas là tous les jours. Le mec se permet quand même de faire un con en radio, sur la radio. Et après, comme il vient faire des critiques, quoi. Donc à un moment donné, je veux dire, pour moi, lui, il a rien à me dire. Le jour qu'il sera sérieux, il pourra me parler, quoi. Ouais, je vois. Mais je vais vous mentir que le fait qu'il soit passé au officier 3, je comprends pas trop. J'ai toujours entendu dire que déjà il n'y avait pas d'officier 3. Quand j'en ai parlé à 7-7, il m'a dit oui, mais c'est pour en gros c'est pour revaloriser certaines personnes. Mais alors moi je me voyais pas du tout en tant qu'officier 3, hein. Loin de là, mais je voyais pas non plus 23 à ce poste-là. Hein. Tu sais quand même pourquoi on nous a niqué nous ? Qu'on nous a pas déplacé ? Pourquoi ? Ça parce que en gros une après-midi donc on va dire. Attendez mais oui mais vous êtes officier 1 depuis combien de temps? Beaucoup. Deux semaines, trois semaines minimum? Oh pour moi je crois. Et moi deux. Ok. En gros juste à un moment tu vois on était devant le parking, ça faisait une heure qu'on était là, bon à un moment voilà on s'est juste tapé, enfin tapé on va dire. A mis une patate chacun. Une patate chacun. Et devine qui arrive comme par hasard, bah c'est le commandant, du coup bah voilà, après c'est normal, il nous a gueulé dessus, mais je me dis, il y en a qui font deux fois pire, le commandant il est au courant, il fait rien. Ouais. Taser la gueule, coup de matraque, coup de bain comme ça. Comme j'ai dit, il y a toujours, enfin c'est pas égalitaire quoi. Et ah puis bon on veut du sérieux, et puis d'un autre côté, les gens qui demandent du sérieux, ils sont pas si sérieux que ça. Ah ouais. Et c'est un peu le, comme le serpent qui se mord la queue quoi. Bah dis-toi, dispatch, il y a deux jours là, je crois, il me semble. La 71 qui voit le commandant, il fait « Salut mon petit lapin !» Le commandant, il dit rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors quoi, toi, enfin, tu dis « Mon capitaine », tu sais, au lieu de commandant, lui, il te fait un speech comme il n'y a pas. Ouais, non, mais... De toute façon, et puis ça se répercute aussi avec les civils, hein. Par exemple, les 410, là, on leur autorise d'avoir le masque, machin. Au final, ils en abusent hier. Et c'est parti en fusillade derrière, quoi. Donc bon, je pense que voilà, il y a un manque de cohérence, enfin, puis ça crée des fractures, et puis on en est à un point critique où ça va pas quoi. Oh. Ça va pas, mais par contre il y a tout le monde qui, comme ils disent, tu vois, je leur ai dit, à quel endroit, à quel moment vous voyez de la cohésion d'équipe, vous demandez un 10-18 que vos collègues arrivent 20 minutes plus tard. Alors qu'on se fait braquer. À quel tu veux qu'il y ait une cohésion? Ouais, bon, t'as raconté l'histoire. Non. Là, on sent qu'il y a des sous-groupes, quoi, mais c'est tout. Ah bah oui. Ah oui, et puis des gros, hein. Oui. Dans tous les sens, hein. Par exemple, 23 et 71, je pense que leur Adam, elle devrait être séparée à chaque fois. Ouais, sauf qu'ils vont tout faire pour être ensemble. Ouais, mais quand t'es la centrale, enfin, quand tu fais le dispatch, je pense qu'il faut que tu... Faut s'occuper de ça. Et après, sinon, peut-être la centrale, je sais bah pas. Bah non, parce qu'ils ont ils ont des trucs à faire entre eux. 90% du temps, du coup, ils vont quand même partir avec un truc. Tu verras. Et une fois, tu vas avoir un haut gradé qui va dire le contraire. J'exagère rien, mais tu verras. Et dis-toi, tu vois, c'est pas la première fois, ils ont fait des pauses à peu près en même temps.
Pour juste se retrouver en Adam après. Hein. Enfin, ils nous l'ont dit. Autant 60 ans, je crois qu'il l'a dit. Je sais plus. Ouais, je crois un truc comme ça. Ouais, tu fais. Ouais. Ouais, Moi, tu vois, de toute si je façon, faisais c'est assez exprès, tu vois, simple. quand on me met dans une autre patrouille, que je fais exprès de rentrer, je fais un 10-6, elle arrive 5 mi 03, fait un 10-6, 5 minutes après, et comme par hasard, on va revenir en même temps, puis on repart ensemble, tu vois. Non, mais après aussi, il suffit d'arriver aussi après le dispatch. Enfin, je sais que moi, j'ai comment mes petites habitudes, et du coup, j'ai tendance à manger un peu, genre, autant de 20h30, 21h. Du coup, j'arrive pas pour le dispatch, j'arrive vraiment juste après, quoi. Tu vois, tu prends un exemple, je suis là même au dispatch quand je prends pas mon service derrière, tu vois. Dispatch, je regarde ce qu'il j'écoute ce qu'il dit, mais je dis je prends pas mon service. Ouais. Non mais je sais pas trop, je sais pas trop. Après hier 23 il s'est permis de dire à 78. Enfin après 78 était au casino et apparemment il était donc en service. Ah oui, Et un il jouait blâme. au casino. Ah non, c'est Mais pas ça. je sais pas trop, j'ai pas tenu les. Enfin j'ai pas les tenants et les aboutissants mais. Bah, je sais que dans la voiture, j'étais juste à côté d'eux. Ça, entre les deux, ça allait pas. Et 23, il a dit, bah tu veux un blâme? 78, il a dit, bah vas-y, mets-le-moi ton blâme. Et 23, il a dit, bah ça y est, t'as un blâme. 78, il monte vite aussi au créneau. Enfin, il a Oui. le sang chaud, quoi. Mais 23, moi franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec lui. Hein. De plus en plus. Hein. Sérieux, je suis désolé à le dire. Hein. Tu peux faire le con, mais quand t'es hors service, comme je dis. Quand j'ai envie de faire le con, je vais hors service. Hier, on a foutu le bordel. Ouais, Hein. puis il y a des moments, il y a des lieux, quoi. Tu vois, je vais te dire franchement, hier, on était avec 51, avec 0,3. On allait faire le con. On a fait toute la soirée les cons, très clairement, et Casino voilà. extrême et tout. Et tu vois, On a c'est foutu dans le bordel en la service. bonne humeur et tu vois, c'est pas foutre le bordel pour foutre le bordel, tu vois. C'est on rigolait quoi. Et même le mec de l'extrême, il a fait, putain, ça fait plaisir d'avoir des personnes, tu vois, qui rigolent comme ça. Derrière, à la base, on est parti pour 2 sauts au parachute chacun. Au final, on s'est retrouvé à faire du kart et tout gratuitement avec le mec Ouais, de mais ça, c'est à l'extrême. cause Mais de ouais, mais en l'hélico, gros, ça. toi, je sais pas Parce si que le mec, il s'est extrême, tapé une grosse barre avec nous. c'est Il était ça. refait de sa soirée. Mais le extrême, il est un peu en perdition, non? C'est compliqué en ce moment aussi. Essaye de le reprendre, en fait. Ouais, c'est. Putain, Les gars, c'est franchement, dur. il était juste refait de sa soirée. Il a dit, franchement, vous revenez quand vous voulez. Et très clairement, on a payé. En gros, je crois que c'est 51 qui a payé. Bah, il Ouais, avait payé 6 fois les 4 000. ça là, en parachute, ouais. Au final, on a fait les sauts en parachute, karting, paintball, on a tapé un gros délire, quoi. Ouais, mais quand on y va pour s'éclater, ça se passe généralement bien. Et puis même quand il y a un plan de prévu, ça se passe de. On a Ah, craché un hélico et tout, en plus. Hein. y a quel... Ah, on nous appelle là-bas. Okay. Mais ouais, du coup, c'est cool. Hein. Franchement, je sais que l'extrême. À un moment donné. Non, mais c'est le mec des photos de Twitter, ça. Et comme Ouais, je dis, à un moment donné, faut faire un peu de 60 à prévu. centrale 18. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Vous allez bien? Bien Oui, vous. vous? Oui, je viens vous voir parce que j'ai une petite question. J'ai postulé récemment, j'ai envoyé un petit dossier à je ne sais qui, mais je l'ai envoyé. Et je voudrais savoir à peu près combien de temps ça va prendre pour qu'il soit traité et que je sois appelé Vous pour. avez un nom et un prénom, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Ping Zhangli. Alors. Voulez, je peux vous donner mon numéro. Non, ça ira, ça ira. Ok. Ok, votre dossier est en attente. Ok. Après, du coup, au niveau des prochaines sessions de recrutement, je sais pas trop. On n'a pas de haut gradé disponible là pour. Ça veut dire quoi que mon dossier est en attente? En gros, Ça veut dire. il en attend le temps que vous passez vos recrutements, mais quand la session de ce recrutement se fera, quoi. C'est ça. D'accord, Normalement, d'accord. vous êtes Bah, en fait, retenu pour la session de recrutement. Actuellement, je pense qu'ils veulent d'accord. qu'on finisse de former déjà les cadets qu'on a et on va recruter juste après, je pense. Mais Logiquement, c'est ça. moi, on m'a dit que ça pourrait se faire ce vendredi-là. Je sais pas, après, je sais C'est pas. une Après, c'est le haut probabilité. gradé qui. C'est pas nous. Ici. Ici. D'accord. Mais ne vous Ok. inquiétez pas, vous allez avoir un mail ou un message sur votre téléphone. Ok, je vais faire attention, je resterai à l'affût. Pas parfait. Pas de soucis, monsieur. Je vais me renseigner. Donnez-moi votre numéro et je vais me Ok, renseigner ok. moi de mon côté. Et peut-être même que si c'est possible, je ferai la session de recrutement. Ok. Du coup, c'est le 555 74 96. 74-96. Ça, c'est ça. Ok.
Hop, bon bah c'est tout bon. Bah parfait. Je vous recontacterai monsieur si j'ai des résultats, sinon ce sera par mail. Bah parfait, à bientôt. Au À revoir. bientôt, Au bonne revoir. journée à vous. Ouais, je vais voir au pire, peut-être je me détacherai. Parce qu'ils sont trop en attente, mais après ça va faire trop de cadets. Hein. C'est ça. Là, tu Je vois, ils sont comprends c'est pratiquement ça, une dizaine. Hein. mais j'en Il prends faut pas d'autres voir, cadets. je sais pas trop, les 11, elle est arrivée quand? 11, il y a quelques jours, c'est moi ça. Ok, 0,5 avec 11, Ouais, ils Pareil. sont tous arrivés sur la même roue que moi. Ouais, c'était en début de semaine, quoi. Enfin. À J'ai peine. l'impression que 0,5 il a quelques bases, non? Ouais, et même 10. Non, attends. Non, pas 10. 10, ouais. Lequel le. Celui à 60. Tu sais qu'il se débrouille pas mal aussi. Bah, de toute façon, ouais. 5, 10, c'est. Celui à 60, il se débrouille pas mal. Ok, bon, c'est Moi bon. je prends pas deux cadets en même temps. Ouais, non, 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 demandez pas à reprendre, clairement. je sais qu'il y a. C'est qui? Putain, c'est 7-7, je crois, hier ou il y a 2 jours, qui m'a. Non, hier, qui m'a demandé si j'avais un cadet. Alors, on m'en avait mis un, puis je sais pas pourquoi, on me l'a changé. Ouais. Soit. Moi, je vais demander pour reprendre parce qu'il y a le problème. On les a formés sur les arrestations. Quand on leur fait des tests d'arrestation, il y avait un gradé à côté. Alors, soi-disant, les amendes, tu les mets à la fin maintenant. Une fois Quand qu'ils le sont en mec il prison? part. Une fois Non, qu'ils sont quand il libérés. part. À la fin, D'accord. enfin. Mais on est d'accord que toi aussi t'as pas appris comme ça. Et moi, j'ai même pas appris, je vous le dis, j'ai même pas Ah oui, appris, c'est j'ai vrai. appris sur le Et on va nous tas. faire des réflexions et apparemment ça les a mis en colère qu'on apprenne comme ça. Hein. Maintenant, très clairement, ils vont se débrouiller avec leur cadet, tu vois. Non, c'est le commandant Clairement. qui. Du coup, c'est pour ça qu'on a la formation ce soir. Tout le monde. Ok, putain, mais elle est à quelle heure cette formation? Je l'ai. 20h30. Ça. Quelle heure? 20h30. Et il y a la cérémonie à 21h pour le commandant, il me semble, ce soir. Eh ouais, putain, mais Je ça dirai fait au revoir. trop juste. Il devrait Je sais mettre pas, pro peut-être y plusieurs aura une sessions. vidéo pour que je puisse. Ça peut être pas mal aussi de faire des vidéos format. Ouais. Des vidéos pour nous former, quoi. Je sais qu'il y en avait avant, que bah, par exemple pour le radar, Ouais, comme c'est bien. parfois c'est un peu long, du coup ça permet de bien voir en détail. Ouais, bah. Mais bon, je crois que ça a été un peu. C'est un peu tombé à l'eau. Ah, c'est con. Il y a des bonnes idées qui viennent et qui tombent à l'eau. Après, là, tu vois, il y aura l'écrit qui va pas tarder à arriver. Déjà, ça va pas mal changer les choses, Ouais. je pense. Pas mal de choses. Mais moi je suis en train de penser aussi, ma session de recrutement, elle était claquée au sol. Pourquoi? Bah pareil, hein. Bien, je viens de dire. C'est fait taser, ensuite on devait plonger dans l'eau, Pareil. pareil. puis ensuite on devait monter Ouais, à des échelles et puis ouais. Ouais, bah c'est pareil. Tu dois courir, tu montes à l'échelle, C'est il pas faux tase et quoi. tu peux aller nager dans l'eau. Je m'attendais à certaines choses, mais pas à ça. Tu as la tête 60? Tu peux pas venir avec nous? Je sais pas. Ah, j'arrive voir. Elle reste pas 60. Ça va 60? Comment? Ça va? Oui, tu m'entends? Ouais. Pardon. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, je te demandais si ça allait. Ouais, ça va. Et toi? Oh, mais ça va. On est dehors si tu veux, à 95 et 17. Vas-y, je suis en train de vérifier un truc. Ah là, toi, ce soir, pour les deux formations? Enfin, la formation, les. Formation Je plus sais même cérémonie? pas à quelle heure elles sont. 20h30, la formation et 21h, il me semble, la cérémonie. La formation c'est mort et c'est amené, ouais. Il va venir.
Ok. Salut 95, salut 17. Salut 60, ça va? Ça va, ça va. Moi je pense que ça pourrait peut-être être ça, hein. C'est quoi? Putain, comment on dit? C'est une mutation, non? Si, quelqu'un de muté ici? Ouais, c'est ouais. Ça. On pourrait être commandant? Non. Parler de quoi? Du futur commandant, quoi. Ouais. Parce que 26, il est passé, c'est tout récent, et 51, je crois que... Apparemment, il avait pas spécialement envie d'être commandant. Non, ça l'intéresse pas, il préfère le terrain. Bah que ouais, ça, d'une, ça l'intéresse pas, et de deux... Responsabilité gros, qui... Veut non, pas... c'est même pas ça, c'est que... je pense pas que ça sera lui, très clairement. Pour plusieurs raisons qu'il m'a expliqué, mais je pense pas qu'il voudrait qu'on en parle. Moi, je pense plus pour 26. 26, il est capitaine que depuis la semaine dernière, non? Ils s'en battront les couilles de l'ancienneté, surtout que là, c'est arrivé très vite. Hein, donc, puis une mutation, honnêtement, ça m'étonnerait. Quelqu'un qu'on connaît ni Dev ni d'Adam qui va arriver, bonjour, c'est moi qui vous dirige. Ça dépend de ce qu'il apporte, il peut peut-être... le changement, c'est pas que négatif. Bon après, le truc, c'est qu'on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne, quand c'est comme ça. Et du coup, après, je veux dire, quand le commandant aura fini son truc au gouvernement, il va revenir ici en tant que gouvernement? Je sais pas. C'est ma question aussi, c'est-à-dire que... Mais déjà, il est élu alors qu'il y a personne. Enfin, je trouve ça particulier quand même que personne se présente... Après, moi j'ai une petite idée, hein. Ça se trouve, il va laisser juste les deux capitaines, hein. Et puis il va dire qu'il garde sa place en chaud, quoi. Ça se trouve. Hein. Ouais, je sais pas, peut-être ça pas serait commandant. Bizarre. Oui, non. Même pas, c'est un risque, parce que tu imagines la personne qui passe commandante ne veut pas lui redonner le poste. En tout cas, elle lui redonnera pas, je pense. Ça va faire chier à travailler juste pendant un mois pour redonner le poste après, quoi. Bah aussi, tu peux pas faire yo-yo non plus, Enfin, quitter ton poste et revenir après, quoi. Ton poste, tu quittes ton poste, donc tu sais que c'est fini. Ouais. Bon, une question que je me pose. Il va revenir. Pose trop de questions. S'il s'est présenté, c'est qu'il savait qu'il avait une chance de ne plus être commandant. Ouais, mais vu que ça dure qu'un seul mois. Peut-être réélu. Peut-être qu'il sera réélu, peut-être qu'il sera encore réélu, peut-être qu'il sera encore réélu. Ah, ils peuvent réélire. Ok. C'est quoi, c'est 3 mandats, il me semble. Il me semble que c'est 3 mandats. Après, on peut pas vraiment dire qu'il est au gouvernement, très clairement, et suivre un autre candidat. Ouais. Pas faux. D'ailleurs, peut-être que sa tête elle tombera durant son premier mandat. Hein. C'est pas. C'est quand même vachement s'exploser. Un ancien commandant de la LSPG qui se met à la tête du gouvernement. Je sais pas. Bah, de toute façon, on verra ce soir, je pense que il va nous expliquer tout ça. Aïe. Parce que on aura nos réponses ce soir, je pense. Non, c'est quand même un commandant qui fasse qui soit sur le terrain aussi. Les risques qu'on prenne. Il y a qui va rester derrière son bureau à rien foutre. Il y a peut-être beaucoup de paperasse. Ouais, on va voir ce soir. À voir. C'est bien, il fait beau, il peut pas. Il y a quoi comme entreprise active là? Vigneron, ça tourne? Ouais. Bah, il y a Vigneron, Bénis, Raffinerie, je crois que ça tourne aussi pas mal. Ouais, la Raffinerie, ça marche bien. Après, Tacos, ça c'est rarement ouvert. L'entreprise là, d'abatteur, ça marche plus, ça? Ah, je sais pas du tout. Moi, le tabac? Oui, je sais pas. Bah, taxi, ça tourne moins, je trouve. On en voit beaucoup moins. Trois fois. Hein?
Alors, il y a 6 jours, il y a 4 jours et hier, j'ai demandé des taxis à des heures différentes. J'ai eu aucune réponse. Ouais, mais ils sont très Donc, rarement là. je sais pas si ça tourne bien. Bah, à un moment, ça tournait pas mal il y a quelques semaines. Hein. Ouais. Oh, ouais, on en voyait pas mal. Bah, dis-toi que l'après-midi, on a arrêté 4 taxis en à peu près 1 heure pour cette vitesse. À peu près au même Ah endroit. putain, mais c'est vrai, moi aussi j'en voyais passer. Ouais, j'étais pas en service, mais j'en voyais passer aussi un peu vite. Ouais. Ils T'as abusent. des nouvelles sur les entrepôts que t'avais trouvés? Sur Bon. l'entrepôt que j'ai trouvé, mais j'en ai pas fait part à 7-7 hier en fait. Ah, oublie. Bah en fait ici je lui ai envoyé vite fait un mail pour qu'il check parce que je l'ai mis dans un de mes dossiers, je l'ai trié dans mes dossiers d'enquêteur. Il a regardé mais il n'a pas dit plus. Mais peut-être qu'après, enfin il aurait peut-être fallu qu'on en rediscute. T'as Bah pas refait un après, tour? non non non. Mais j'ai pas trouvé l'occasion hier. Oh Hier il fallait qu'on assure la sécurité au casino. Donc on tournait pas mal au casino. Et puis il y a eu cette fusillade, puis ensuite on est resté là, PDP. Et comme j'étais en plus la centrale, je gérais parce qu'il y avait pas mal de supérettes. Puis après je suis parti, c'était 7-7 la centrale. Mais non, j'ai pas eu le temps d'aborder beaucoup de choses hier. peut-être ce soir. Hein. En fait, il y a eu beaucoup de. Enfin, pas beaucoup, mais il y a eu cet incident-là et ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'au final, après, donc ils ont été blessés par balle. Donc, il a fallu qu'on sécurise l'hôpital parce que la dernière fois, on s'est un peu fait avoir, quoi. Puis ensuite, le temps de les ramener, de faire les procédures, tout ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je suis pas resté non plus aussi longtemps que d'habitude. Je sais pas, j'ai une baisse de régime un peu en ce moment. Ouf, bravo, bravo. Oh, ça Je arrive. vigile le soir. Vas-y. Hein? Je prends 15. Comment? Faut prévigiler le soir. Ouais, mais. Il dit ça sert à rien. Voilà quoi, il y a. Voilà. Peut-être dans quelques jours, ouais, mais. Là en ce moment. Non, et puis c'est vraiment les mêmes têtes qu'on croise et tout. Enfin, j'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes gens derrière les barreaux. Ouais. Bah dis-toi, le mec qu'on a chopé tout à l'heure, il s'est fait arrêter, je crois, 2 fois hier. Pour braquage à main armée. Dis pas de conneries. Monsieur Carter Carter? Franglin, ouais. Carter. Ouais. Bon, on l'a trouvé. Cochon de shit. Suspicion doit être de revente de produits illégaux. Et. Refus d'obtempérer. Quand on est arrivé, et, bah, il est en courant. T'es pas entraîné pour courir aussi vite que moi. Mmh. Aucune chance. Ah si, il avait aussi des outils Décrochage. de... Je sais pas comment on appelle ça. Décrochage. Ouais. Ouais. Il en avait deux. On lui a saisi. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les maras, vous voyez un peu de mouvement chez eux ou pas? C'est lesquels... Enfin, ils C'est habillaient. les bleus, ils sont bleu ciel. Ah, on les a croisés hier. Non. Entière. Casino. Avant-hier au casino, il y en avait Ouais. deux par terre. Les EMS, je sais pas ce que... Parce que moi je les ai vus une fois, bon ils avaient l'air aimables mais ils s'étaient embrouillés avec les 410. Ah, et 410, c'est les bikers? Non, 410 c'est ceux qui peuvent partir leur masque là. Mais il y avait les bikers, je crois, c'est vrai. Ah, mais Là c'est ils se peut-être sont une autre embrouillés. fois. Ah ouais? Enfin, je pense. Non, moi ils étaient. C'était sous le pont là-bas. Ah Ils ouais, suivaient mais la non. gare. Nous, c'était au magasin de vêtements, juste derrière. D'accord. Après, nous, on les avait arrêtés une fois. Mais non, ça va. Il y en avait juste un seul qui cherchait un peu. Cherchait un peu, mais Ça allait. autrement, non, les autres, franchement, ça va. C'est Ok, bon, je sais pas, gentil. peut-être qu'ils sont discrets. Ça se trouve, hein.
On pue 60 ou pas? Hmm. On pue? J'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai dit on pue? Pourquoi? Bah je sais pas. T'es à côté. Enfin, loin. Bah je suis là quoi. Vous avez déjà fait du golf? Non. Putain, faut qu'un jour j'en fasse. Enfin j'en ai fait une fois mais... J'étais en service quoi. Ouais, c'était pas trop compliqué. Du coup je suis pas resté longtemps. Mais non, ça avait l'air d'être cool quoi. J'ai juste mis la balle en dehors du... Vas-y, non, on a bien rigolé aussi. Avec Jack et tout. Pratique. Ouais. Hier c'était bien le casino. Faudrait que je passe aussi. On joue un peu au casino. Tout le temps. Par ouais. contre, hier il y avait des gros bruits au casino. Oui, c'est photocopieuse. Enfin. Leurs photocopieuses elles font pas mal de bruit. Ah ouais. Des fois. L'enfer. Ouais. Là, ça fait comme le bruit à peu près à l'hôpital. Les scanners? Ouais, tu sais, les bruits comme ça. Et bah, leur photocopieuse ouais. elle fait à peu près le même bruit, on l'entend dehors. Ouf! J'ai l'impression que le casino il est souvent entre guillemets hein, attaqué par 410. Ouais, on va aller patrouiller. Hein. Allez. Ok. Ouais, bah ouais. Vous faites quoi? Vous patrouillez tous les deux et je pars avec 60? Wow. Tu vas faire ça? 60, tu veux conduire? Vas-y, je fais sans le rester. Entendu, il a dit quoi? Elle dit, je suis pas sûr de rester. Ah, ils ont l'OST. L'OST, je crois. Hein? Ouais, je crois, c'est bizarre. Depuis plus d'argent, j'ai comme ça. Une couille dans le pâté. Je vous dis, il y a. 2603, vous êtes pile sur la place. Il y a un mauvais mood. Comment ça, pile sur la. Ah putain, mais oui. Quoi? C'est bon. Ouais, mais y a un truc qui cloche là dans le SPJ parce que. Ah, mais y a des mauvaises ondes. Ah, bah non. Ouais. On va chercher. Bon, bah allez. Non, mais non, mais. Quel casse-couille. Quel casse-couille que tu es. Adam 70-41, secteur 1 toute seule. Oh, mais un coup. Ouais, je vais mettre un quart d'heure. La dame 17 à centrale, 10 41 secteur en tout ça. Ça se passe quoi à droite là? Un bouchon? Front, away. Je peux mettre un petit coup de pyro. 37? Hein? Merci. 37, ils ont roulé. De quoi? Pas semblant, ils roulent à 157. 161, j'ai eu. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs agents qui se sentent pas bien en ce moment. Non? Ou pas? Si, j'ai bien l'impression. Entre nous, 60, 95, enfin 95, ça va, mais. 51. Moi je trouve qu'il y en a plusieurs qui sont un. Ce qui est dommage. Merci du follow. LPM. À toi. Et ouais, c'est dommage. En vrai, on peut avoir une bonne cohésion d'équipe et tout. Non? Trouve pas? Sûr, mais bon, je sais pas. Ils ont pas envie ou je sais pas. Je suis en dashcam en fait depuis tout à l'heure. Si. T'as rien, ça va? Bah ouais, tranquille quoi. Ok, ok. Le petit bouton vert. Hein? Le petit bouton vert s'allumer. Comment... Quoi?
Et bah c'est bon, j'ai compris. Ah, de la dashcam. Non, ça. T'en ai pas dit. Ah, ah merde. J'ai pas capté. Tu veux qu'on passe à l'hôpital ou pas? Pour voir s'il y a les nouveaux. Et vous, qu'en pensez-vous? La viande chez Aldi est... T'entends la musique ou pas? Hein? T'entends la musique? J'entends. Pour Pâques, c'est bientôt Pâques. D'ailleurs, on est le 1er avril aujourd'hui. Avril. Hein? T'as dit quoi? Son d'avril. Ouais. Ouais, c'est la personne. C'est calme, hein? Bah, comme toujours, hein. Monsieur. Bambari bambari bambara pam. Bambara pam. Ouais, là ce sera bien calme. Mais pourtant il y a quelques après-midi où genre c'était pas calme. Ouais, c'est plus mouvementé. Hein? Ouais. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, je sais pas. La tempête va pas tarder non plus. Hein? C'est quoi? Il y a bientôt la tempête aussi. Une demi-heure.
De toute façon, moi, il faudra que j'aille à l'hôtel vers 19h30. Pas une petite pause au miam miam. Ça a rien donné là où il y avait les véhicules. Non, ça a rien donné. Mais ici c'est tout fermé. Ouais, ils sont peut-être pas encore arrivés en ville. Encore à l'hôtel. What? Wait. Don't stop. Que dalle. Ouais, les sons ils marchent pas encore. Je sais pas si vous l'avez, mais il faut que je le règle. Je l'ai mis hier. Ce matin plutôt, mais ouais, ils sont pas encore à jour. Désolé, salut à toi. J'ai le seum aussi. Je pensais que c'était bon, mais je voyais ça tout à l'heure hors live. Oh, ça marche, on prend pour rien. Ouais, non, t'inquiète. Je vais vite les récupérer. Juste à laisser la page ouverte sur mon live, t'inquiète. Bon, pas là parce que j'ai pas tardé à couper mon live. On mange à 19h30. On va être là à 20h30. Bah ouais. Puis un soir, tu laisses la page ouverte, t'inquiète, Thomas. Comme ça, bah tranquille, toi. Tranquille, tranquille. Dans la SPV qui me dit, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah c'est bien calme. Je parle pas beaucoup, dis donc. Hein?
bête. Putain. Voilà. Ouais, ouais. Parle pas beaucoup. Non, je tiens. Ouais. Bah là, on a chopé le mec tout à l'heure. Je pense qu'il va revendre dans le même secteur ou pas? Je sais pas. Je suis pas devant. Une supposition très chère. C'est quoi? C'est une supposition très chère. C'est possible, hein, mais je sais pas après. Ouais. J'ai aucune idée. Va voir. Pense que ça possible. Allez réfléchir. Où là les autres? Ils sont au coiffeur là-haut. Sur Del Piero. Okay. Pas de la science. Les autres. Ouais. Hein? T'as dit quoi? Un peu l'autoroute. Ok. Je pense que ça peut. Ah, papa. Travis Scott. Nous sommes. Quoi? Quoi? T'as dit quoi? De quoi? Travis Scott, il me semble. Si je ne dis point de bêtises. Il est 44, comme tu veux. Quand on rentre en poste maintenant, ça va mettre encore un peu. Je veux. Quand je m'en fous. Entre au poste, comme ça on sera tranquille, on saura qu'on sera là. Ok. Je veux dire. Hein? En train de faire une crise de somnambulisme. Ouais. Tu as dame 7 à centrale 9. J'ai paniqué. Hein? Ah, t'as paniqué Adam là. Adam 60, 10, 21 sur un camion citerne vers. Ah, on va voir. Zone inconnue. Inconnue. Quand même s'en rapprocher au cas où. C'est pour ça que je t'ai mis une fois. Je leur dis ou pas qu'on se rapproche? Tu peux. De Adam 17 à Adam 60, on se rapproche, ok. Adam 60, tout va bien. Ah, on est là. On est là quand même. Tout va bien, donc... Dans tous les cas, je pense pas qu'il ait à fuir avec son camion citerne. Peu, hein. Et Ouais, mais on le rattrape vite, quoi.
T'es obligé de le suivre jusqu'à temps qu'il se plante, quoi. Tu peux rien faire. Ouais. Salut pour qui ça va? Ouah. Ouah. Ah, j'ai le soleil dans ma gueule, c'est horrible. Combien on a le soleil? Ma gueule. Adidadada. 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 C'est cool, alors, à sa côté, elle est encore dans la T-Sex. Ah. Ouais, Carmine, ouais. Ok, ok. Range-la pas. Elle est toute cracra. Ouah, cracra, bou. Bou, 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 bou. C'est bon. Ah. On va attendre les gars, non? Ah ouais, on va attendre un petit peu de toute façon. Vous attendez? Ouais. La vie ça va trop vite, on pense que t'as profité. Allez réfléchis, la vie ça va trop vite, t'as profité. Ouais, dis-moi, Nathan Dark, ça te dit quelque chose? Nathan Dark, oui, c'est le MS qui était porté soi-disant disparu, pourquoi? D'accord, bah, je crois que c'est lui là en. Vous c'est l'avez celui qui est en face de nous là. Ah bon? Ouais, il s'est appelé John Baker. John Baker? Attends, et... je vais voir. Et c'est un carnet d'identité. J'ai mal entendu. Entendu, 17? Ouais, ils ont dit quoi? 95, il est pas sûr, mais il croit qu'il a Nathan Dark, mais il se fait appeler par un autre nom. Et tu viens de faire le lecteur d'empreintes? Ouais, bah j'attends. Confirmation de 95. D'empreinte, hein, y'a que ça, hein, de toute façon, pour vérifier. Ouais, du coup, il se fait appeler John Baker, mais anciennement c'est Nathan Dark, donc je sais pas, à voir. Et vous pouvez pas l'emmener au poste pour un lecteur d'empreintes? Bah, je pense qu'on va peut-être faire ça, je sais pas, je vais voir. 60, il est en train de gérer là, mais. Ouais. Si on, au cas où, pour être vraiment sûr. Hein. Ouais, ouais, je vais voir avec 60 ce qu'on fait là. Ok. Bah, vous nous le dites et si jamais il y a un problème. Pas de soucis. Merci. Pas de soucis. Bah, du coup, il. Du coup, voilà. 95, il va avec 60 pour voir qu'est-ce qu'on fait, parce que... enfin, qu'est-ce qu'ils font. Parce que 60, tu es en train de gérer pour l'instant. Et là, si je te casse les couilles. Non, mais pour l'instant, on reste là. Il monte quand même, on sait jamais. Que soit prêt à partir. Du coup, 60, il... enfin 95, il va voir avec 60. C'est 60 qui gère pour l'instant. Et ils pensent qu'ils vont faire ça, revenir avec lui par lecteur d'empreintes. Et vu qu'il y a la tempête dans 10 minutes, ça va être casse-couille. 17 à 95, on est prêt à venir s'il y a besoin. 10 sacs. Adam 60, 10-19, PDP avec suspect pour analyse. Ah, bah voilà. Tu peux ranger la voiture. Attendre qu'ils arrivent, voiture. Ils sont avec le suspect dans la voiture. Ouais, mais on est jamais trop prudent, ils peuvent se faire attaquer par des autres personnes ou autre chose, tu vois. Juste à la coin de la rue. Hein.
Il faut rentrer par l'autre côté. Ah oui. Ah, j'ai une soirée dans la gueule, ça me casse les couilles. Je laisse déjà préalablement. C'est normal que le monsieur est rempli de sang. Ça va aller plus vite. Non. Pas que moi. Ah, il y a le télé, mes gants. Voilà, parfait, merci. Je vous laisse rentrer dans ce bureau. Allez, nickel. Nickel. Hop. Allez, on va avoir une machine qui est juste devant vous, ok. Il y a un emplacement déjà prédéfini pour votre pouce. Donc je vous laisse vous mettre votre pouce pendant 5 secondes, s'il vous plaît. C'est bon, vous pouvez le retirer. Maintenant, vous mettez l'index de la même main. Hop. Très bien. Voilà. Merci. Alors, ce que je vais faire là, monsieur, je vais retourner vers nous l'écran qui est juste face à vous. Ok. D'accord. Donc je le retourne là maintenant. Hop là. Ok. Et vous allez me lire, vous, le nom que vous voyez affiché. Il y a un nom qui va s'afficher, okay. Qui correspond à vos empreintes digitales. Et vous Nathan Dark. Ok, c'est bien ça. Ok. Donc votre identité est confirmée. Alors, je vous fais un dernier speech rapide. Là, votre livraison, vous la mettez en attente. D'accord. Okay. Votre prochain arrêt, ça va être l'auto-école. Très bien. D'accord. Une fois arrivé là-bas, vous passez le permis poids lourd, comme ça on arrêtera de vous emmerder avec ça. D'accord. Et surtout, dernière chose, avant-dernière occurrence, veillez toujours à avoir vos papiers d'identité sur vous. Ça évite de faire un arrêt ici inutilement. Et dernière chose, vous me contactez au plus vite le gouvernement pour qu'il vous change vos papiers. Parfait. Parce que sinon, vous allez vous taper cette procédure à chaque fois qu'on va vous demander vos papiers. Et ça serait très con pour vous. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, parfait. Je laisse monsieur, on va repartir. Parfait. C'est bon, c'est confirmé au nom de Nathan Dark, donc ça doit être la préfecture qui a fait une bourde ou quoi que ce soit. Donc on va repartir, on va vous déposer à l'auto-école, vous avez passé votre permis poids lourd rapidos, on vous y attend. 60 votre... 60 60 Attendez la tempête. Ouais, après la tempête. Elle est dans 5 minutes. Oh purée. 5 minutes. Attendez. Ouais, la tempête elle est dans 5 minutes, vous aurez pas le temps. Et du coup mon camion, comment on fait? On s'occupera de faire le taxi. Il sera sûrement la fourrière, non? Il y a quelque chose à l'intérieur de votre camion ou pas? Un kit de réparation, c'est tout. Venez avec moi vite. Je sais pas si... Vas-y. J'ai peur moi, je reste là. Crise de somnambulisme après, tu coco. Mais je pense qu'il aurait... Attends, mais c'est juste... pas grave lui. Pourquoi on laisse repartir? Pour rien. En fait, on a rien contre lui à la base. Bah moi je suis pas au courant de ce qu'on a contre lui. Bah moi non plus. T'es juste porté disparu. Bah je sais pas, hein, je pense qu'on va noter le rapport, mais... Mais du coup on sait qu'on peut le retrouver en tant que John Baker. Mais il faudrait aussi qu'on se renseigne peut-être... Comment? Il faut au papier qu'il a. Bah je sais pas si c'est... je sais pas. Si ça se trouve c'est vraiment une erreur... Je pense qu'il faudrait voir avec un haut gradé. Parce que moi 77 m'avait dit qu'il y avait des faux papiers qui traînaient des fois. Ouais, mais bah, pour l'instant, en tout cas, il n'a pas de papier, donc il se fait juste appeler John Baker. Donc bon. Oui, il y a la tempête. Lui, il vous a donné le nom de John Baker au départ. Au départ, ouais. Bah. Il nous a dit qu'il avait papier, et puis au final, il a dit peut-être que je suis reconnu en tant que Nathan Dark. Ah, et sur la machine, c'est vraiment Nathan Dark. Donc. Un truc que je sais pas. Donc c'est qu'il a des faux papiers. C'est toi. Mais il a pas de papier. Quoi? Et bah ça veut dire qu'il c'est. Notre identité. J'ai juste envie de vous dire, faudra qu'on aille voir 77 ou autre, hein, plus haut gradé. Ouais. Pour vraiment l'en. Là, ça veut dire qu'on le laisse en liberté, ça se trouve, il peut disparaître et changer de nom encore une fois, quoi. Bah, en tout cas, on sait qu'il travaille à la raffinerie. Au pire, pendant la tempête, on essaye de contacter un haut gradé pour qu'il vienne après.
D'ailleurs, on pourrait peut-être mener l'enquête et essayer d'avoir quelqu'un, le PDG de la raffinerie par exemple, pour savoir. Après la tempête, il m'envoie une position GPS, on vient le chercher, on le dépose à l'auto-école et on fait ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est bon? Ok, ouais, ça va. Tout de suite. À tout. Jimmy, il travaille pas à la raffinerie? Si. Du coup, je pense qu'il faut se renseigner là-dessus. Par contre. Attends, il y a un truc. C'est bizarre. Tiens. Quoi? Gueule, le 60? Quoi? Quand il fait la gueule? Non, c'est que il a pas trop le moral. Vous dis, il y a des ondes négatives là. Oui. Oh, plusieurs jours. Ouais. Ah, mais c'est pas par rapport aussi à. Ah, si, aussi, ça en fait partie. Il m'a expliqué un petit peu et du coup, je pense qu'il se sent aussi coupable. Enfin, c'est pas, je pense. 62, ça donne quoi en fait? C'est en attente là, je crois qu'elle a porté plainte, Yamada. Bref, bonjour, c'est ça l'histoire. Bon, je vais me mettre à l'abri. Allez, pareil. On va faire pareil. Ça va, 95? J'avais pas vu, il y a une petite marche. Ah bah aussi, fais attention. Depuis le temps que t'es là, tu l'as jamais remarqué celle-là. Allez. Attention à vous, les amis. À tout à l'heure. Fais le dos. Ouais, je reviens, je vais me chercher à manger tout de suite, mais quoi, ça sait faire. Ouais, moi dans tous les cas, moi, ouais. À tout de suite, j'arrive. Vas-y, à toutes. Et bah les gens, je sais pas quoi vous dire. Non, je pense que je peux. De toute façon, dans une demi-heure, je vais aller graille voir avant. Et voilà, il va chaud, bordel. Du coup, bah je coupe mon live. Et je vous dis à tout à l'heure, enfin ce soir. Autre live. Allez. La bise.